Kenny. Aucune idée. Bon, et où est votre fils? Aucune idée. On les a vu quitter la ville en fin de journée dans ma nouvelle voiture. Et où pouvait-il aller à part ici? Vous pouvez entrer et fouiller partout si vous ne me croyez pas. Oh! Oh! J'ai eu un entretien avec Nelly aujourd'hui. À propos de quoi? De mariage. De mariage? Oui, j'ai cru qu'elle parlait d'Adam et de moi. Eh bien, je suppose qu'elle voulait parler de Luc et d'elle. Ils sont peut-être partis aller se marier ailleurs. C'est bien ce que je crois. Oh, Nels! Oh, mais il faut les arrêter avant qu'ils parlent. Je sais qu'il y a un juge de paix là-bas, à Sleepy Eye. Je prépare le chariot. Eh bien, bravo! Vous offrez un bel exemple pour ces enfants, mademoiselle. Comment? Mais on ne faisait rien. Non, peut-être pas encore. Mais, Nels! Oh, Nelly est avec cet éleveur de porc! Quelle horreur! Ah, alors, ne te mets pas dans ces états, calme-toi! Et vous, Luc, acceptez-vous de prendre Nelly pour femme? D'accord. On dit oui. Je suis venu pour ça, oui. Et vous, Nelly, vous acceptez de prendre Luc ici présent pour époux? Oui. Vous avez l'anneau? J'ai cette bague. Qu'est-ce que je fais de ça? Vous la glissez à ce doigt, vous voyez? Et vous dites, par cet anneau, je t'épouse. Vous arriverez à vous en souvenir? Bien sûr. Par cet anneau. Non, pas à mon doigt, pauvre imbécile ancien. Ah, pardon. Par cet anneau, je t'épouse. Je me suis pas trompé. Vous êtes mariée, femme. Philomène. Merci.